C'est incroyable. Ce sport est magique. Ce sport est unique. On a vécu des émotions. Alors, surtout quand tu es supporter de City ou du Real, tu es passé par toutes les émotions ce soir. On va revenir, on va prendre le temps de parler des points faibles du Real ce soir, notamment la défense, des points forts, l'attaque. Et surtout, tu t'en sors ce soir avec un but d'écart. 4 à 3. Le suspense est garanti. Le match retour va être titanesque. Et on en parlera sur la chaîne évidemment. Donc voilà, on va prendre le temps d'en parler et c'est parti pour le débrief. One Football nous accompagne une nouvelle fois pour parler du Real Madrid ce soir. Si vous voulez toute l'actu du Real Madrid, et l'actu va être bouillante entre les mercatos, entre la Ligue des Champions, entre le titre de champion en Liga, c'est le moment de télécharger l'application. C'est 100% gratuit, le lien est en description. Alors, au bout de 10 minutes de jeu, quand tu vois le début de rencontre, tu te dis le Real va se faire couper en deux. Ça va être une véritable boucherie pour plusieurs raisons. Ce Real, et ça je le dis depuis longtemps sur la chaîne, n'est pas habitué à recevoir autant de pressing. En plus de ça, en face, tu as un homme qui s'appelle Guardiola. Guardiola, il a dit quelque chose en conférence de presse. Il a dit: j'ai toujours aimé Madrid. Mais en fait, c'est un menteur. Parce qu'il a oublié un mot dans sa phrase. Il a toujours aimé massacrer Madrid. C'est un Catalan. Moi, je l'aime pas. Je le respecte. C'est l'un, si ce n'est le meilleur entraîneur du monde. C'est un Catalan. Il déteste Madrid. Il déteste la Castille. Il déteste le pouvoir à Madrid. Et donc, s'il peut massacrer le Real Madrid, il ne va pas se gêner. Et ce soir, là où il a progressé, c'est que d'habitude, contre le Real, contre l'Atlético, contre les clubs espagnols, il aime montrer sa suprématie. Il aime montrer sa supériorité tactique en faisant des coups de génie. En tentant des coups de génie. Ce soir, il a été pragmatique. Et ça, je le remarque depuis l'an passé, où ils ont été en finale contre Chelsea. Il est beaucoup plus pragmatique que par le passé. Et résultat, Manchester City est quand même devant, est quand même bien parti pour aller une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions. Donc, quand tu as le pressing de Manchester City associé à la tactique de génie de Guardiola, le Real Madrid est complètement dépassé. Parce que ça partait dans tous les sens, le danger venait de Foden, de Mahrez, de Bruyne, de Bernardo Silva, qui se plaçaient entre, enfin, les fameux semi-espaces, c'est-à-dire entre les joueurs, etc. Tactiquement, le Real n'était pas prêt pour ce genre de rencontre, et on a vu quand même la différence aujourd'hui, il faut être honnête, qu'il y a entre Manchester City et le Real Madrid. Le score aujourd'hui de Madrid est très flatteur. Pour moi, objectivement, après une telle rencontre, s'il y a 5 à 1 pour City, c'est normal. Parce que le Real marque sur des exploits individuels. Benzema, le premier but qu'il va mettre, c'est un exploit. Il transforme les miettes en or. Il relance le Real après que Manchester City ait loupé à plusieurs reprises la balle de 3-0. Et Pep Guardiola le savait à ce moment-là. Si tu ne bats pas la bête qui est malade, donc en l'occurrence Madrid, tu vas le payer plus tard. Il le savait, il connaît le Real par cœur. On l'a vu, foudrage contre Mahrez. Foudrage pour la balle de 3-0. Quelques minutes plus tard, réduction du score signé Karim Benzema. Alors au niveau de la compo, on avait quand même quelques doutes concernant Alaba, Casemiro, Mendy. Finalement, Mendy et Alaba étaient titulaires. Donc comme quoi, je vous avais dit dans l'avant-match, attention, on ne sait pas pour Alaba et Casemiro. Bon, Casemiro était trop juste et Alaba également puisqu'il est sorti à la mi-temps. Et aujourd'hui, la défense a été tout bonnement catastrophique. Donc pas habitué, certes, à subir un tel pressing, mais au niveau de la relance, au niveau des gestes défensifs, je n'ai jamais vu Militao ce soir être aussi nul que ça. Ça a été un véritable clown. Alors par moments, son jeu aérien a soulagé le Real, mais mis à part ça a été boulette sur boulette. Mendy n'était pas aligné. Carvajal a concédé deux buts parce que selon moi, quand t'as Foden qui mesure 1m60 et qui marque un but de la tête en passant dans ton dos, c'est qu'il y a un problème. Et de toute façon, Guardiola avait bien ciblé ce problème. Il avait compris que la faille du Real, c'était Carvajal, qui réalise une très mauvaise saison défensivement, même offensivement, on ne reconnaît plus ce joueur. Et donc, il avait tout axé sur Foden titulaire qui allait mettre le feu à Carvajal. Donc très belle équipe de Manchester City, je regarde pas tous leurs matchs, mais franchement, c'est beau à voir. C'est beau à voir. J'aime pas Guardiola, mais c'est vrai qu'un jour, avec cette équipe de Manchester City, il mériterait quand même de gagner la Ligue des Champions parce que ce qu'il produit en termes de jeu, d'intensité, moi je rêverais de voir ça quand même du côté du Real Madrid de temps en temps. La deuxième mi-temps qui commence tambour battant comme la première, c'est-à-dire que City qui prend le Real à la gorge, 3-1, donc but de Foden, et là, le petit Vinicius
qui était face à Fernandinho, et ça je l'ai envoyé à des potes, j'ai dit c'est ce soir ou jamais. Vinicius, c'est ce soir ou jamais. Au match retour, tu auras Kyle Walker qui est un véritable bison, ou Cancelo qui est super fort techniquement. Donc c'était ce soir contre Stones et Fernandinho que Vinicius devait faire la différence. Et ce soir, il nous a fait une Gareth Bale 2014 en Copa del Rey contre le Barça. Un sprint depuis le milieu de terrain, grosse erreur de Laporte qui ne va pas boucher l'angle, et Vinicius qui va à nouveau réduire le score. Déjà à 3-2, on se dit que ce match est complètement fou, mais t'es à peine à 60 minutes de jeu et tu sais qu'il va encore se passer d'autres choses. Et là, comme quoi je vous dis, le Real c'est très dur à supporter parce que cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Faute devant la surface du Real, tous les joueurs s'arrêtent mais l'arbitre n'a pas sifflé. Un joueur continue, ce joueur c'est Bernardo Silva qui va mettre une menace à Courtois. Courtois qui ce soir m'a quand même globalement déçu puisqu'il n'a fait absolument aucun arrêt. On en parlera dans les tops et les flops en fin de vidéo. Et comment ne pas parler de cette panenka, de ce but de Benzema qui, je rappelle, a loupé je crois déjà 4 pénaltys cette saison. Il restait sur 2 pénaltys manqués en championnat. Et bien sûr, il n'a pas pris de risque. Et comme Zidane l'avait fait face à Buffon en Coupe du Monde, c'est-à-dire que Buffon connaissait par cœur Zidane au niveau des tirs au but, il avait décidé de faire une panenka. Et ce soir, il était en manque de confiance. Il ne savait pas s'il devait tirer à gauche ou à droite. Il était un peu stressé, ça se voyait. Et là, il fait une panenka zidanesque. Donc c'est incroyable le calme qu'il a eu finalement pour faire un tel geste. Les coronets qu'il a eu pour faire un tel geste. 4-3, le Real s'en sort très bien dans cette rencontre. J'ai pas les expected goals, mais franchement, je suis sûr que normalement, le score, ça doit être 5-0, 5-1, 4-1, quelque chose comme ça. Le Real s'en sort très bien. Il faut être heureux du score du Real ce soir. Et je me dis qu'après ce match-là, où tu aurais dû être mort, tu aurais dû être mort dès le match aller, le Real est toujours en vie après avoir passé par miracle contre le PSG, après avoir souffert contre Chelsea, j'ai l'impression qu'une histoire est en train de s'écrire avec en point d'orgue Karim Benzema qui va aller chercher son ballon d'or. Et je ne serais pas étonné que le Real se qualifie en finale la semaine prochaine. Mais bien sûr, on aura le temps d'en reparler sur la chaîne. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au top et au flop. Alors ça va être rapide puisque j'ai que deux tops. Les deux tops sont tout simplement Benzema, homme du match, nouveau doublé en Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et si on se souvient bien d'une règle, le meilleur buteur de la Ligue des Champions est tout le temps Ballon d'Or. Sauf l'année dernière, c'était Lewandowski, mais on sait qu'il a été volé ce Ballon d'Or. Mais dans les 10 dernières années, c'était Messi ou Ronaldo, et à chaque fois, le meilleur buteur de la Ligue des Champions terminait Ballon d'Or. Donc Benzema, homme du match côté Real, et comment ne pas parler de Vinicius, qui, quand même, m'a déçu par moment, mais il relance ce Real, il fait un exploit individuel. Cet exploit, c'est cette espèce de feinte pour dribbler le joueur, cette feinte qu'il réalise tous les dimanches ou tous les samedis en Liga. Cette fois, elle est passée contre un Fernandinho à la cave, 37 ans. Tant mieux pour le Real. On va passer au flop et là, il y en a quand même pas mal. Kroos. Je ne comprends pas que Toni Kroos puisse jouer un match dans une telle intensité pendant 90 minutes. S'il y avait bien un joueur à ne pas titulariser, un joueur à faire sortir à la mi-temps ou à l'heure de jeu, c'était Toni Kroos. Le jeu sans ballon de l'Allemand, il est nul. Il ne sert à rien, il ne fait pas de pressing, il est toujours en retard dans son placement. Alors bien sûr, balle au pied, il est très fort. Techniquement, il est supérieur à la moyenne, donc il va faire des passes magnifiques, etc. Mais son jeu sans ballon a cruellement porté défaut au Real ce soir. Carvajal, point faible, mais tu peux rajouter Alaba qui a été mauvais, mais il était blessé, et Militao. Militao, je suis déçu parce que je pensais qu'il serait un peu le leader de cette défense dans l'agressivité qui avait tellement manqué contre Chelsea. Et c'est vrai que depuis 3-4 matchs, Militao me déçoit un petit peu. J'espère qu'il va se ressaisir la semaine prochaine. Rodrigo. Alors Rodrigo, je suis déçu parce que pour moi, il y avait des choses à exploiter ce soir, notamment dans le dos de Zinchenko. Il était rapide, il est rapide. Il était surtout en confiance, Carlo le savait. Et il a mal exploité le peu d'occasions qu'il a eu, donc assez déçu de Rodrigo, comme je suis déçu de Valverde. Valverde, voilà, je trouve qu'il a été assez transparent ce soir. Je m'attendais à mieux. Alors bien sûr, en face, tu avais De Bruyne, Silva, Rodri. Tu avais quand même peut-être le meilleur milieu du monde. Mais quand même, je trouve qu'on ne l'a pas vu. Je trouve qu'on ne l'a pas vu apporter sa puissance, sa verticalité comme d'habitude. Et enfin, est-ce que je dois mettre Courtois? Je ne sais pas. C'est vous qui me direz ça dans les commentaires. Mais il n'a pas fait beaucoup d'arrêts. Alors il ne peut pas grand-chose sur les buts. Je suis d'accord avec vous. Mais on a connu mieux. Thibaut Courtois nous habituait à mieux. Donc voilà les amis,
Je suis satisfait du résultat, satisfait que le Real soit encore en vie ce soir contre ce monstre de guerre qu'est Manchester City. Et demain, 17h30, 18h, il y aura une vidéo spéciale qui va sortir sur la chaîne, donc je préfère vous le dire maintenant. Mettez la cloche, c'est important pour la chaîne et je compte sur vous dès demain. Merci à tous les amis et je vous dis donc à demain, à jeudi pour une vidéo sur Rudiger, vendredi pour l'avant-match contre l'Espagnol, samedi pour le débrief du titre et enfin la semaine prochaine pour l'événement, le match retour contre Manchester City. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Ciao les amis.